qui est notre maison. Et quand j'arrive ici, je suis envahi de souvenirs. Je suis envahi de souvenirs. De souvenirs d'étudiants, scolaires, universitaires, mais de souvenirs de lutte, de combat. Vous voyez ce bâtiment qui est devant moi. Ce bâtiment qui est devant moi. En 1969, on l'appelait le bâtiment de la Haute-Volta. Et c'est là qu'on m'a arrêté. J'étais en haut, nous étions 12, la police était en bas. On nous a demandé de descendre, parce que tous les étudiants étaient déjà à côté de nous. Nous sommes descendus. On nous a amenés à la cité rouge où j'habitais. On nous a dit de nous laver, de nous mettre en costume. Parce qu'on devait nous amener d'abord à la présidence avant de nous amener à la. Donc chaque fois que je passe ici, que je vois ce bâtiment, j'ai un sourire, mais les gens ne savent pas pourquoi je souris. J'ai un double sourire. Parce que nous étions 12. Nous étions 12 dans le comité exécutif de crise. Mais au moment où on nous arrêtait, nous étions 11. Il y avait un qui avait disparu. Donc, ne vous prenez pas trop. Quand vous dites oui, il y a un train, il y a pas un train. C'est pas ça, ça n'a pas d'aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Donc, je suis envahi de plusieurs sentiments quand j'arrive ici. La jeune dame, la jeune fille Cramo m'a remercié tout à l'heure d'avoir peint les bâtiments. Je vais faire sur toute la cité. Parce que surtout sur la cité rouge, c'est devenu un impératif. Et la cité rouge est ma cité. Parce que au moment où j'étais étudiant, le campus était trop loin. C'était vraiment en bouche. La première pierre a été posée ici en 1964 par Amon Kano Lambert. Moi, j'étais en première. Et donc, quand nous avons eu le bac, le campus était trop loin de Cocody. Et il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de CHU, donc on passait à pied dans la brousse, ce qu'on appelait alors le maquis. On prenait le maquis là pour venir ici. Alors je ne voulais pas habiter ici. Et nous étions nombreux à ne pas vouloir habiter. Donc j'ai habité la cité des Gabonais, j'ai habité la Sojifia, j'ai habité la cité rouge. J'ai habité la cité rouge, donc